Je sais plus quoi en faire de tes fleurs. Moi. T'en penses quoi? Je trouve ça bien, ouais. Mmh. Ouais. Bonjour. Ça va? Je vais prendre un café, une petite tarte aux fraises, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Il est vraiment joli, votre pull. Merci. Travailler dans la mode. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Non, non, c'est ma patronne qui me l'a dit. Non, mais c'est bon, vas-y, hein. Je me débrouille. Non, c'est bon, je vais t'attendre. C'est bon. On est en train de prendre le thé. Entrez. Ce sera pas long. Je m'appelle Alice, je viens de mettre en mode. Sur les notes. Travailler le crochet à peine. Et on peut entrer à la main de la précédente. On a une pâtisserie à faire. J'aimerais vraiment dire qu'elle va travailler dans le monde de la mode. Il ne saurait y avoir de... Oui, enfin, il ne saurait y avoir d'autres issues à ma vie. C'est un peu beaucoup, non? Faire de chantage, jamais, mais leur donner envie. Tiens, si tu notes des motivations pour un concours. Non, mais Harold est un homme très sensible. Ne vous en faites pas. Hmm? Qu'est-ce que tu en penses? Il saurait y avoir d'autres issues à ma vie. C'est un peu beaucoup, non? Pourquoi tu veux faire cette école? Moi, j'adore le pull d'Alice. Hein, tu sais, ça me fait penser à la collection printemps-été. Hmm? Jean-Louis a vraiment travaillé à partir d'étoiles de Rothko. Ce serait pas mal de dire quelque chose là-dessus, non? Oui, oui, c'est bien ça. Tu as choisi comment tes couleurs? En fait, je prends des vieux pulls et je les détricote. Et je teins la laine. Et comme ça fait pas le même effet à chaque fois, ça donne cet effet. Mais il faut le dire ça, c'est super. Bon, faut peut-être le soutenir avec des références. Ça, je l'ai mis dans le dossier. Je vais vous chercher des livres. Et c'est quelle école? L'école du Perret. Mais ça comprend tous les métiers de la mode, du stylisme à la broderie. Tu vas parler de la tapisserie de Bayeux, j'imagine. C'est une très bonne idée, ça. Oui, c'est une merveille, cette tapisserie. Chaque fois qu'Agnès m'invite, je vais la revoir. T'as vu comment elle est jolie, Alice, bien maquillée? Ça va. Je comprends pas, Kevin, pourquoi tu vas pas à Paris.
J'ai pas envie de vivre à Paris, c'est tout. Mais franchement, pour ce que tu fais ici, ça changerait quoi? C'est pollué. Il y a trop de monde. Je le sens pas. Bah, n'y va pas, c'est pas grave. T'en fous de cette bonne femme, t'aurais réussi sans elle de toute façon. Non, c'est pas vrai. Alors on va lui donner, et puis au pire, elle aime pas, et puis c'est tout. Tu trouves ça bien, toi, franchement? Bah, si elle aimait ton pull, y a pas de raison. Mais là, c'est une écharpe, c'est pas pareil. Bah, si. Bonjour. Bonjour. Ben, je viens voir Madame Barthes. J'ai quelque chose pour elle. Bah, entrez. Mais je veux pas déranger. Maman ? Maman ? Elle est pas là. Bonjour. Bonjour. Catherine ? Bah, s'il vous plaît, juste lui donner ça de ma part. De la part de ? Alice de la pâtisserie. Vous voulez lui laisser un mot ? Non, dites-lui juste que j'ai réussi mon concours. Ou non, mais lui dites rien sinon, c'est pas grave. Elle a votre numéro si elle veut vous remercier. Non. Notez-le là, si vous voulez. Ça va? Ah, bonjour. De quoi, c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Oh! Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, la lettre. Je suis rentrée dans mon école. Ah, vraiment? Bah, je suis ravie pour vous. Bah, j'ai un peu chaud pour la porter maintenant, mais merci beaucoup. C'est très gentil. Et ce sont vos amis dehors dans la voiture? Oui, oui, ils m'attendent. Alors c'est bien. Paris l'année prochaine, ça va vous changer? Ben oui. Vous avez trouvé un logement? Non, pas encore. J'aurais jamais dû amener cette écharpe, c'est horrible. Excusez-moi. Oui, Alice. Vous avez terminé? Oui. Bon, faut sortir de moi tes travaux, là, Alice. Hein. Le sujet, c'est l'aérien. Alors, un oiseau, oui, pourquoi pas. Mais, c'est pas de donner lui une forme singulière, au moins. Travaillez votre laine en pensant à la transparence, à l'impalpable. Il peut pas décoller, là, votre oiseau. Je sais pas, essayer de lui couper les ailes pour voir. Et toi, tu veux faire quoi après? Je sais pas du tout. Tu pourrais tenter la broderie aussi. C'est vachement précis la broderie, non? Moi, je suis pas du tout précise. C'est vachement précis ce que tu fais avec la laine. Mais non, c'est nul. T'as vu ce qu'elle a dit? Et franchement, si je lui coupe les ailes, il reste quoi de cet oiseau? Tu connais Brancusi? Je connais rien, moi. C'est un sculpteur. Il a fait des oiseaux sans ailes. C'est super aérien. Il a fait une vitre aussi. Il l'a appelé Princesse X. C'est beau comme nom, tu trouves pas? Ouais. Tu veux prendre un verre? Non, ça va, merci.